Good evening, my name is Stéphane, and tonight I'm going to present an easy but delicious recipe. This is quail with vegetables you can find in your fridge. So to do this, you'll need the quail most importantly, and then any vegetables you can find out of your refrigerator. Generally, three little onions, some of a green pepper, clove of garlic, mushrooms, some coriander. So first thing, prepare your workspace and peel your vegetables. A traditional peeler. Alors là, ce qui and the little onions are going to be the most annoying tonight. Les petits oignons. You can use larger onions too. L'avantage du petit but I think that the little onions, just they look a lot better mais on the plate. On obtient le même résultat avec but des, yellow des onions oignons work just as well. Par exemple, de ce just type like that, on, that on we coupe, cut. Qu'on émince d'une façon assez traditionnelle. Voilà, alors je m'attelle à la tâche. I'll begin my task, peut-être and que je I might cry. Pleurer. C'est possible. Voilà. This c'est is la the most complicated part. De la recette. Peeling the little onions. Peler les petits oignons. Now this c'est is where the where the French expression oignons, comes from être aux petits oignons, oignons which means that one is given a lot. Chez sa mère, no, I think this comes from this very action, I think. Ça vient de là. I think, crois, I don't know, mais but... Mais... Ça fait voler les pluches, le... La petite brise estivale. Now, alors, frais, fresh onions branches, are often sold individually. Sinon, but at the supermarket, en, you can buy a whole sack for not very much. And that's what c'est I did. Ce que j'ai fait. Ce matin, je les ai achetés en filet. Hop là. I'm not crying yet. Je pleure pas encore. Et c'est normal. But this is normal because I have j'ai the antidote. Which is a secret. Un secret. But I think I'll tell you. 10 seconds. Just to finish this onion. Every fourth onion. Petit oignon. Have a little drink. Bois un canon. Pas complet. Just a little bit. De canon. With moderation. Alors consommez avec modération parce que si because y a if you have two gigantic piles of onions to peel, you risk not finishing. So I have four quail, so I'm counting about deux, two or three of my little onions per quail. Alors c'est it's a little annoying to peel these things. On aimerait presque qu'ils soient vendus pelés. One wishes they were sold peeled. Le pauvre maraîcher serait fin sou s'il emploie ma petite recette magique. Uh-oh. Ah, this one's going to make me cry. Va me faire pleurer. Ouh. Ouh. Alors. Okay. We're almost done. Au bout. Now I said earlier that this is probably the hardest part of the recipe. I normally begin with the most complicated tasks so that it's done. And the easy parts finish us off. Almost done. In the home stretch.
Come on, allez, run the home stretch. Encore deux pour la route. Run for the road. To the Breton proverb. Not often employed with onions, but... C'est rarement des petits oignons, mais... Fin de la ligne droite. Ok, and we're done. Voilà, c'est gagné. Peels and skins to the trash. Les épluchures, poubelle. So we'll set the onions aside in a dish. Généralement dans un ramequin, si possible. Now I had a little bit of pepper that I found in the fridge. J'avais un peu de poivron qui était dans mon frigidaire, donc je vais le détailler. Not obligatory. Il n'y a aucune obligation. It can be replaced with tomatoes, for example. Ou additionné à une tomate. D'ailleurs, tiens, on va mettre une tomate. We'll put in a tomato. Tout d'un coup, je me dis. So a quarter of a pepper that I found. Un quart de poivron qui traînait dans le frigidaire. And I said a tomato. So. J'avais dit que je mettais une tomate. Voilà. Alors. We'll take out the middle. On enlève le centre. And we'll take out some of the seeds. Tente de les pépiner un petit peu. Voilà. Now we'll put this in another dish. Alors on va la mettre dans un deuxième ramequin. Because we'll add it parce later. On l'ajoutera après. Now you don't have to cut the tomato into tiny pieces. It reduces during cooking anyway. Elle va fondre de toutes les manières pendant la cuisson. So a second little dish. Voilà, deuxième ramequin. And I'm always cleaning my workspace. Je nettoie mon plan de travail toujours. And now the quail. Maintenant les cailles. So there are two schools. Bon là deux écoles. School of cooking with the head and school of cooking without the head. La tête et l'école de la cuisson sans la tête. Alors. I am not presented with this problem because my quail have already been deplumed and. Je vais les couper. With a large knife, I'm going to cut off the head. Un gros couteau. Attention les doigts. And I'll save a little of the neck to give a little more flavor as it cooks. Le cou va pouvoir donner dans le. I have a little staple in it. J'ai une agrafe aussi tiens. Alors. C'est le chat qui va se régaler. So, put the staple parts on the side. Côté. And we're going to brown our quail. On va les faire rissoler. We're going to brown the skin in a pan with a little olive oil. Dans une casserole avec une pointe d'huile d'olive. We'll do the same thing with the onions and the pepper. On fera la même chose avec les oignons. And then we'll add the tomatoes and some salt and pepper. Je rajoute les tomates, mon sel, mon poivre. And then we'll cook this over very low heat for a long, long time. So, a little olive oil. Un petit peu d'huile d'olive. And our four beautiful quail. Pour les quatre belles cailles. Little gas. Not too strong. But the oil should be crackling a little. Tout de même. Now you don't have to do them all at one time if your pan is a little small. La casserole est un peu petite pour arriver à les tourner. On peut les faire en décalé d'ailleurs. Je vais le faire. Et voilà. So heads to the trash. Les têtes poubelles. Okay, little noise. C'est parti, ça va faire du bruit. Not too much. Presque pas. So now we're browning them. Donc là, on les saisit. Oh, the mushrooms. Les champignons. That I found in the back of the fridge. Au fond du frigo. And the last minute, you know, you can open the fridge, find whatever's lurking. Et vous trouvez des champignons. Eh ben, ma foi. It's no worries. Aucun souci. So I wash them. Well,
pour retirer and cut them into fours. Couper en quatre. They're going to reduce during cooking. Ils vont réduire pendant la cuisson. Ah. Voilà. They are succulent, the little quails. C'est succulent, les petites cailles. Hop là. And they're starting to nicely brown. Ah. So it's quite easy. We lightly sear the foil. Gentiment. Because the now the brown, the seared exterior Alors, ta raison est simple, hein, locks in the aroma of our meat. Les volailles et les viandes. Now the crusty outside actually acts as a physical barrier, keeping the flavor in. Les sucs, the sugars can't get out. De la viande, qui peuvent plus s'échapper pendant la cuisson. And, c'est la raison pour laquelle on saisit généralement les volailles, les viandes. Et so the sugars can't get out, and as well, une barrière, que les sucs ne peuvent pas franchir. The palatable quality of our food is not lost. So the next two quails in the same pan. Ça conserve à l'aliment. Toutes ces qualités gustatives. Voilà, les deux suivantes, dans le même bain d'ailleurs. Our beautiful little quails. Voilà, voilà, voilà. De la belle petite caille. Voilà. Superbe. Superbe. And now the little onions. Les petits oignons. Now we'll toss them for about 2 minutes, and then we're almost done. Voilà, à tourner et retourner pendant 2 minutes, et après c'est presque terminé. It's really easy, really simple. Just toss them right into the olive oil and the quail juice. C'est très simple, hein. C'est vraiment les tourner dans l'huile d'olive. Just don't burn them, of course. Et le jus de caille. This is why I toss them continually. On les imprègne bien. Oh, that smells good. Voilà, pas les faire brûler, surtout. C'est la raison pour laquelle je touille sans discontinuer. Ça commence à sentir bon. So we can prepare the salt and pepper. Salt and pepper. Voilà, on peut préparer sel, poivre. Alors, le sel est là, le poivre est là. And we'll just use the same little dish. On réutilise le même ramequin en sens inverse. And put our quail in the pot so that they cook slowly. Voilà. Et là on peut déjà now on the side, on the sides of the pot. Et poser les cailles dans la casserole pour qu'elles cuisent gentiment. Sur le côté, toujours.
And the fourth on top. Et la quatrième little onions. Par-dessus. Mushrooms and tomatoes. Les petits oignons. Champignons. And finally, et tomates. A few coriander seeds. And they're going to soak up some of the juice. Et enfin, quelques raisins de Corinthe. Bon. Salt and pepper. And as we say in the south, au bistôt. C'est le poivre. Now salt and pepper at the end. Alors, and be sure to taste. And again, low heat for this stage and a little water. Le sel et le poivre en finale. Now this is just so it doesn't burn at the very very bottom. S'assurer qu'on est sur un feu très doux. So just a little. Et mouiller d'un petit peu d'eau. Alors le terme mouiller c'est so we'll cover. C'est vraiment pour pas qu'au fond du plat ça attache. A little big. Voilà. And low heat. On couvre. And we'll come back in about 20 minutes. Elle est un peu grande celle-là. Okay, 30 minutes have gone by. Et petite we've been monitoring the cooking, again over very low heat. Superb. Everything's 30 minutes sont passées. On va contrôler everything's la cuisson juicy. Des cailles. C'était sur feu doux. Hein. Everything is soaked up the juice. It's mixed, so we'll superbe. Prepare a plate. Superbe, superbe, superbe. Elles ont rendu du jus, les légumes ont rendu du jus, tout ça s'est mélangé. Alors on va dresser. Waouh! On va dresser un plat, ça c'est la salade qui vole. So to present them, the best is to set them on their backs. Oh, recalcitrant little quail. Il faut les poser sur le bréchet, sur le dos en réalité. Alors. Ah, there's a lot of juice in here. Caille. Hop. Ça fait très moyen. Oops, de jeu, I dented hein, a thigh turning this one. Well, it happens. Voilà. Tiens, celle-là, j'ai abîmé une cuisse en la retournant. Alors, ça arrive. Hop. On a place for the fourth. It's like a can of sardines. Ah, no, actually there's space. Non, même pas, elle rentre. Voilà. And our vegetables. Les petits légumes. So garlic, onions, mushrooms, tomatoes, peppers. La tomate. Ooh, getting away from me. Oh, j'en ai mis sur la table. Et les poivrons. And we'll cover this. Et on nappe. Not yet. There's still vegetables. Il y a encore de la récup. And now we'll pour on the juice. Et on nappe de la sauce. There it is. Voilà. Quail with vegetables found in your fridge. Du fond du frigo. Alors, on peut get that back on there. Tac tac. Quail with vegetables. Caille aux petits légumes, du fond du frigo. Best served with potatoes. À servir avec des pommes de terre ou. Or rice, okay, but steamed potatoes are perfect. Et, three per person. Cuites, vapeur, so there you go. Bon appétit. Et voilà, bon appétit.